Bonjour, bonjour les yogis, surtout si vous êtes des yogis un peu stressés. Je vous présente donc ce tout nouveau produit chez Bolster pour l'atelier de yoga restauratif. Donc un produit de qualité avec la possibilité de choisir ses couleurs. Vous voyez ici, il y a une petite fleur lotus avec une couturière qui fait des trucs sympathiques. Le petit design, l'idée étant que vous tombiez amoureux de ce magnifique produit pour vous aider à vous relaxer vraiment bien. Donc là, il y a besoin de rentrer encore un petit peu. J'attends encore un petit peu de matériaux, c'est un prototype, mais c'est déjà vraiment fabuleux. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, pour vous compreniez un petit peu mieux pourquoi, comment. Certaines des possibilités, mais je ne vais pas tout vous dire, on garde un petit peu pour l'atelier quand même, évidemment. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc, le yoga restauratif, c'est quoi? C'est une pratique très relaxante où on s'autorise à ne rien faire, bien se relâcher. Donc, on ne cherche pas un étirement profond des muscles, comme par exemple en ligne où on est plus dans l'étirement physique. Ici, on va utiliser beaucoup d'accessoires, ça c'est probablement l'accessoire le plus important, c'est pour ça que je vous en ça. Il y a d'autres accessoires qui nous permettent de vraiment se mettre confortable et se sentir supporté. Ça aide avec l'alignement, mais c'est surtout pour vraiment aider à être confort et pouvoir lâcher. C'est très bon pour le stretch et de manière... comme un effet un peu boule de neige, si vous voulez, en commençant par le stress, vous rappelez mon email sur l'inflammation. Le stress, en fait, étant une des causes premières de beaucoup, beaucoup de choses. Ça influe évidemment le système nerveux, mais du coup aussi immunitaire, lymphatique, respiratoire, endocrinien, bref, quasiment, en fait, tout. C'est quasiment la cause de tous nos maux. Donc, très important, c'est pas du restauratif, hein, comme ça, comme la plupart l'entendent. Je sais que ça vous, ça pourrait être peut-être un peu plus vendeur, mais c'est restauratif, régénération. Régénération, repos, pour permettre, en supprimant toutes ces tensions, ce stress, permettre à tous nos systèmes, que ces autres systèmes dont j'ai parlé, de fonctionner de manière plus optimale, plus harmonieuse, pour un bien-être général. Donc, pourquoi ce jeune petit appareil? Donc, j'ai choisi particulièrement, on va dire que c'est une utilité quand même un petit peu presque spécifique, parce que j'ai choisi de l'avoir relativement lourd, justement pour cette raison. Utiliser le poids. De belles manières, ou par exemple, pas à cause de l'enfant, si vous faites ça, vous allez avoir du poids, donc c'est un peu comme un massage, une aide. Parfois, en classe, on aide un petit peu les gens à se tirer le dos comme ça, dans la pose de l'enfant. Ici, vous le faites de manière plus douce, plus contrôlée, on va dire, plus douce. Donc là, le poids permet de vraiment étirer la colonne, de nous ancrer, c'est très reposant, ça aide vraiment à se reposer, donc c'est vraiment très bien. Si vous avez jamais essayé, je suis vraiment essayé, parce que vraiment, ça aide à se reposer, se relaxer. Donc, ce que je trouve, c'est que d'utiliser le poids, en plus de simplement d'utiliser une manière plus commune dans les pratiques restauratives, d'avoir vraiment ce poids, vraiment ça aide à aller plus loin dans la relaxation, le repos, la régénération, puisque c'est un milieu du feu. Multiple emploi, emploi aussi pour ce coussin, ce qui est luxe. Vous n'avez pas besoin d'autres coussins de méditation, vous pouvez utiliser ça surtout. Ce que les autres coussins de méditation ne permettent pas, c'est d'utiliser une pose de méditation, Vajrasana, que j'aime beaucoup,
beaucoup de gens qui ont du mal, ça suppose, parce que quand on a pas trop ça, au bout de à peu près 2 secondes et demie, je crois, la plupart des gens commencent à pleurer un petit peu. Et donc là, on rend la pause beaucoup plus accessible, puisqu'on est supporté, les fesses sont supportées, ça relâche la pression ici, et ça permet de se mettre plus doucement à trouver cette pause pour étirer tout ça. Une autre utilisation qui est très bien, il y a peu de gens qui vont se dire, dans la pause, bah, là, ça va, la pause de l'enfant, qui est une pause restaurative, fabuleuse, très beau d'ailleurs. Je me mets simplement sur le poster et je vois toujours des gens qui ont la tête comme ça à tourner. Et ça, c'est pas bon normalement pour le coup, donc on ne peut pas rester très longtemps, c'est pas très relaxant. On se tourne de l'autre côté pour relâcher à droite, c'est le côté gauche qui prend. D'un point de vue symétrie et équilibre, pas terrible, je pense. Alors que si vous mettez comme ça, vous ajustez le coussin de manière à pouvoir avoir le mouvement juste, un peu passer le bolster, une petite brique pour supporter le poing, une couverture pour un grand pied, une couverture permet d'ajuster un petit peu plus la hauteur, la brique, les trois positions, donc c'est un peu moins personnalisé, là vous pouvez vraiment personnaliser, qui sont un petit peu plus mous aussi, un peu plus confortable, pour supporter, et comme ça vous pouvez observer, vous avez le cou qui est long, qui reste droit, vous avez l'espace pour respirer, là comme ça on est bien, on peut rester longtemps dans la pose de l'enfant, on est supporté ici, au niveau encore une fois, des hanches sur le bolster, donc c'est une utilisation un petit peu différente, mais si vous avez un petit peu de limitation encore quand même au niveau des genoux par exemple ou de la colonne et que vous trouvez que le poids c'est un petit peu trop sur la durée, de rester un quart d'heure en ses pouces c'est vraiment très bon. Là vous êtes supporté, vous pouvez étirer les bras, vous pouvez il y a différentes manières, je vous expliquerai tout ça dans l'atelier évidemment. Et voilà, donc ça s'utilise comme ça, peut-être même pour regarder la télé. Si vous regardez la télé, ça va bien. Vous pouvez regarder la télé comme ça, sans la pose un peu plus accessible. Le double tison, qui est très bon pour ouvrir l'anse, de manière à, idéalement, quand ça sort un petit peu plus comme ça, avec les genoux plutôt au sol. Donc, beaucoup, beaucoup d'options que je vous ai expliquées et j'espère aussi vous expliquer au travers ensuite du cours collectif plus régulier durant l'hiver pour vous permettre de continuer à apprendre, de voir vos poses, vos options sur les mêmes poses, aussi pratiquer si vous avez des questions, etc. Mais vraiment, vraiment, je veux, c'est non seulement que vous emmeniez le bolster, pas seulement emmener le bolster, mais emmener un savoir avec vous. Emmener un savoir pour emmener la pratique avec vous chez vous. Ça, c'est vraiment important. Je vais essayer pendant longtemps d'utiliser des accessoires, des bolsters, notamment. Parce que le premier prof était plutôt contre, très traditionnel, et c'est évidemment un petit peu ça. Il y a un point, il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup trop ça comme des béquilles. Ça fait augmenter la chistana qu'on a d'une manière générale dans la vie, et c'est le propre de l'être humain. On est un peu assisté, on en vient un peu paresseux, mais ça limite aussi votre expansion de votre pratique. Le jour où j'ai en fait découvert que quelqu'un m'a vraiment montré, expliqué correctement et que j'ai vraiment pu ressentir les bienfaits de l'utilisation du bolster, notamment du mal au dos, très bon si c'est mal au dos, je suis tombé en amour en fait avec le bolster, j'ai beaucoup utilisé, c'est fabuleux. D'ailleurs, je me rappelle à un studio où j'avais des
fleurs vraiment de pas très bonne qualité, avec de la mouche un peu plus dedans qui s'était écrasée. Ils étaient tout plats. Dégueulasse. Inutilisable à printemps. Et ça, c'est des boxeurs qui vont durer dans le temps. On peut les remplir ou enfin ajuster à sa vie, hein, selon ce qu'on veut. Donc ça, c'est des boxeurs de qualité qui sont faits pour durer, c'est un investissement dans un boxeur, dans son bien-être. Donc je vous encourage vraiment à utiliser ça, ramener chez vous. Il n'y a pas besoin qu'il soit beaucoup très long, hein, on peut faire un quart d'heure, 1 minute, tous les soirs. Vous travaillez sur l'amour pour soi, en soi. Ça, c'est très important de faire ça d'abord, c'est la connexion interne. Ensuite, quand on a suffisamment d'amour pour son corps, pour sa propre personne, ensuite, on peut aller offrir cet amour aux autres, au monde extérieur, se connecter avec le monde extérieur, pour que tout soit plus harmonieux, en fait. Et ça commence d'abord par nous, donc c'est des pratiques qui sont très importantes. C'est vraiment ce que je voudrais vous puissiez emmener, vous puissiez commencer à avoir plus une pratique personnelle, parce que, comme je dis souvent, c'est la consistance dans la pratique, ou pas la consistance, je ne sais pas que vous en français, ça peut être anglais, mais d'avoir une pratique régulière, de pratiquer de manière consistante. Vous voyez ce que je veux dire. Régulièrement. Parce que c'est en fait la fréquence. Si on pratique une fois par semaine, c'est mieux pas de pratique. Mais évidemment, si on a la possibilité de pratiquer tous les jours, les bénéfices sont accrus. Parce que tous les jours, on remet le corps, l'esprit, sur le droit chemin. Tac. Tac. Chaque jour. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Avec ça, on peut faire un quart d'heure, 20 minutes, simplement, pour se relaxer le soir chez soi, en arrivant chez soi pour passer une soirée tranquille, ou juste avant de se coucher pour vraiment se mettre dans l'ambiance de dormir, selon les pauses, c'est encore une fois, je vous expliquerai, et ça c'est vraiment très important. Donc, j'espère que vous avez envie de vous connecter, vous tomber amoureux. Comme moi j'y étais, ça m'a beaucoup aidé avec le problème de l'eau, tomber amoureux de ce magnifique accessoire pour pratiquer, y faire des bons gros câlins, se faire bien, accroître son amour pour soi, à l'intérieur de soi, pour pouvoir aller l'offrir au monde entier et aider un peu plus, pas seulement soi, mais tout le monde, avec ses souffrances. Comme ça. On a plus de bonheur, plus de paix et plus de joie. Voilà.